建设、富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。 Le peuple chinois, aussi travailleur que courageux, constitue le pilier du développement constant de la nation chinoise. Depuis la fondation de la Chine nouvelle il y a 70 ans, le peuple partage tout, heure et malheur, et avance avec bravoure avec la République. Créateur des merveilles de la Chine contemporaine, le peuple est la source de la force du grand renouveau de la nation. Que ce soit au moment de sa fondation, durant la guerre révolutionnaire ou au cours de l'édification socialiste, qu'il s'agisse de la grande mise en œuvre de la réforme et de l'ouverture ou de la lutte dans la nouvelle ère du socialisme à la chinoise, le Parti communiste chinois agit pour apporter le bonheur au peuple chinois et le renouveau à la nation chinoise, ce qui est son engagement initial et sa mission. 70年披荆斩棘, 70年风雨兼程, 人民是共和国的坚实根基, 人民是我们执政的最大底气。 La fondation de la Chine nouvelle fut un changement social jamais connu dans l'histoire de la nation chinoise. L'essentiel de ce changement consiste à établir un tout nouveau système social caractérisé par la souveraineté du peuple. Dans la Chine nouvelle, tout se fait dans l'intérêt du peuple, tout doit s'appuyer sur le peuple et tout acquis est partagé par le peuple. Le peuple aime les dirigeants du peuple. Les dirigeants du peuple aiment le peuple. Cette vieille photo est affichée au musée de l'ancienne demeure du camarade Mao Zedong à l'hôtel Donghu à Wuhan. Sur la photo, Mao Zedong bavarde avec un vieux vendeur de tofu frit. La photo immortalise une histoire émouvante entre le dirigeant et le peuple. Le 18 février 1953, quatre jours après le Nouvel An chinois, Mao Zedong et sa suite entament l'ascension du mont Shushan à Wuchang. Un vieil homme vend du tofu frit au bord du chemin. Mao Zedong s'arrête et bavarde avec lui. Quelques écoliers passent. Parmi eux, une jeune fille regarde Mao Zedong en souriant. Soudain, elle se demande... N'est-ce pas le président Mao, le grand sauveur du peuple décrit dans le manuel scolaire? Tellement enthousiaste, elle s'avance et demande « Êtes-vous le président Mao ?» Mao Zedong lui répond avec humour « Je ressemble un peu au président Mao. » La fille crie avec émotion « Le président Mao est là! Le président Mao est là !» Ces cris attirent l'attention. Les gens viennent en masse.
Mao Tse-tung descend de la montagne en saluant la foule. De la cime au pied de la montagne, il n'y a que 2 kilomètres. Cependant, il a fallu 2h30 à Mao pour arriver au ferry au bord du fleuve. La foule crie avec émotion « Vive le président Mao !» Sur le bateau, Mao Tse-tung ôte sa casquette et salue la foule. Il dit à voix haute « Vive le peuple !» Vive le peuple ! Ces mots forts et émouvants débordent de confiance et de sentiments héroïques et témoignent de la grande affection du dirigeant envers son peuple. Cela incarne la philosophie des communistes chinois selon laquelle la gloire appartient au peuple et la force découle du peuple. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, Mao Tse-tung se rend souvent dans les régions rurales. Les entreprises, les troupes, les organes, les écoles et les quartiers pour mener des enquêtes et des études, pour écouter la voix des masses et pour connaître leurs souffrances. Mao Tse-tung a été profondément attaché au peuple toute sa vie. Juillet 1980, Deng Xiaoping se déplace dans le Sichuan pour une inspection. Sur la plaine de Chengdu, surnommée le pays d'abondance, la pénurie de combustible tourmente depuis longtemps la population. Les collectivités locales vulgarisent l'exploitation et l'utilisation du grisou. Quel en est l'effet? Pour en savoir plus, Deng Xiaoping se déplace dans la banlieue de Chengdu pour son inspection. Il entre chez un agriculteur. Il remarque une cuisinière au grisou à la cuisine. Il bavarde avec le chef de famille. Soudain, il pose une question. Pouvez-vous faire sauter des rognons sur ce feu? Cette question simple témoigne du pragmatisme de Deng Xiaoping. Il faut un feu vif pour faire sauter des rognons. Pouvoir faire sauter des rognons prouve que le feu au biogaz est suffisamment vif. C'est véritablement utile pour les agriculteurs. Deng Xiaoping a toujours considéré le principe « Est-ce que le peuple est pour ou contre ? Est-ce que le peuple est d'accord ou pas ? Est-ce que le peuple est content ou non ?» comme critère pour l'évaluation de toutes les activités. Ces critères se traduisent dans des détails comme « Pouvez-vous faire sauter des rognons avec le feu au grisou ?» Décembre 1984, le recueil d'ouvrages de Deng Xiaoping en version anglaise est publié à Londres, au Royaume-Uni. Dans la préface de cet ouvrage, Deng Xiaoping a écrit « Je suis un fils du peuple chinois. Je suis profondément attaché à ma patrie et à son peuple. » C'est l'attachement profond à la patrie et au peuple qui permet à Deng Xiaoping de mener le peuple sur le chemin de la réforme et de l'ouverture, de diriger et de promouvoir la cause du socialisme à la chinoise. Cela a considérablement amélioré les conditions de vie du peuple chinois, renforcé énormément la puissance globale du pays et élevé grandement le statut international de la Chine. Le bruissement du bambou me parvient, étendu dans le cabinet. Je crois entendre le gémissement des habitants qui souffrent. Nous autres, officiels subalternes de préfecture ou de district, nous nous sentons attachés à la moindre brindille, à la moindre feuille. Ce poème de Zheng Bangqiao a été cité par Jiang Zemin à différentes occasions. La citation vise à rappeler aux cadres membres du parti qu'ils doivent toujours avoir à cœur la vie des masses populaires. Le village de Yongshang se situe dans le district de Tianyang, dans le Guangxi. En 1990, le revenu annuel par habitant n'y était que de 229 yuan. 90% des villageois n'étaient pas en mesure de satisfaire les besoins élémentaires du quotidien.
Le 21 novembre 1990, Jiang Zemin a mené une inspection au village de Yongshang. Il avait le cœur navré en voyant la pauvreté des villageois. Il a alors convoqué une réunion avec les secrétaires des comités du parti au niveau de la région autonome, de la préfecture, du district et du canton, ainsi que les secrétaires des cellules du parti au niveau des villages. Il a exigé de trouver une approche pour aider les habitants de la région montagneuse à s'enrichir. 6 ans plus tard, le 1er novembre 1996, Jiang Zemin s'est rendu de nouveau au village de Yongshang. Il a constaté l'amélioration des logements des villageois et le développement de certains secteurs. Il a été rassuré en voyant que les difficultés auxquelles les villageois étaient confrontés dans plusieurs domaines, tels que les déplacements, l'eau potable, la nourriture, l'habillement, l'éclairage, la communication et le mariage, avaient été surmontées. Le Parti communiste chinois doit toujours représenter le plus largement possible les intérêts fondamentaux du peuple chinois et s'attacher à les prendre comme point de départ et aboutissement. Le 14 avril 2010, un séisme de magnitude 7,1 frappe la préfecture de Yushu dans la province du Qinghai, faisant 2698 morts et 270 disparus. Hu Jintao était alors en visite à l'étranger. Selon son agenda, il devait participer à la 2e rencontre officielle des dirigeants des BRIC prévue à Brasilia, la capitale du Brésil, et effectuer une visite d'État dans ce pays. Après s'être informé du séisme, Hu Jintao a décidé de raccourcir son programme de visite pour rentrer au pays plus tôt que prévu. Il dit aux dirigeants du pays hôte: en ce moment si difficile, je dois regagner mon pays sans tarder pour m'engager dans les secours aux régions sinistrées aux côtés de mon peuple. Dans la matinée du 18, il se rendit en hâte dans la région sinistrée à Yushu. Dans la salle de classe provisoire de l'école d'orphelins de Yushu, Hu Jintao prend une craie et écrit sur le tableau noir ses caractères. La nouvelle école, vous l'aurez. Un nouveau foyer, vous l'aurez. Il engage les enfants à lire à haute voix. Cet engagement retentissant permet de raffermir la confiance et la détermination de la population sinistrée à reconstruire son foyer. Les masses populaires ont leurs critères d'évaluation. Si notre cœur reste attaché aux masses populaires, elles font de même. Les communistes doivent s'attacher à exercer le pouvoir pour le peuple, prendre à cœur ses préoccupations et travailler dans son intérêt. Le 15 novembre 2012, élu secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, lors du premier plénum du 18e comité central du PCC, Xi Jinping a fait une déclaration solennelle lors de sa rencontre avec des journalistes chinois et étrangers. Depuis le 18e congrès du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a sillonné toutes les régions extrêmement pauvres du pays. Quand il mène des inspections sur le terrain, il privilégie le contact des masses. À travers ces scènes émouvantes et ces empreintes de pas, nous pouvons ressentir le sentiment sincère des dirigeants du peuple qui placent toujours le peuple au centre de leur cœur. Dans la matinée du 21 août 2019, le secrétaire général Xi Jinping, en inspection dans le Gansu, vient mener des enquêtes dans le nouveau village de Fumin, dans le district de Gulang. À cette nouvelle, les gens arrivent en foule et les deux côtés du chemin sont vite noirs de monde. Des cris de joie fusent et retentissent jusque dans le ciel. Le secrétaire général Xi Jinping avance vers la foule. En quelques minutes, ce chemin rural devient un océan de joie. Le secrétaire général Xi Jinping déclare: « L'eau porte le bateau, mais elle peut le renverser.
Notre bateau est porté par l'océan du peuple. Nous ne devons jamais perdre le soutien populaire. Nous devons toujours agir dans l'intérêt du peuple. C'est juste ce que le Parti communiste doit faire. L'époque pose les questions, les communistes chinois y répondent et le peuple est l'examinateur. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central du parti avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant reste uni au peuple dans la pensée et dans l'action. La gouvernance de l'État a été fructueuse. Des réalisations historiques ont été accomplies et des changements historiques sont intervenus dans le développement des causes du parti et de l'État. Le PCC a rendu une excellente copie au peuple et à l'histoire. En l'espace de 70 ans depuis la fondation de la Chine nouvelle, la grande force créatrice du peuple chinois se traduit en de très nombreux miracles chinois. La nation chinoise a réalisé des bonds prodigieux, passant d'une nation qui s'est mise debout à une nation riche, puis à une nation puissante. Elle continue à réaliser des exploits dans la nouvelle ère. Les miracles chinois ont émerveillé le monde et poussé beaucoup à étudier le secret derrière ces miracles. Comment la Chine a-t-elle pu réaliser un développement si énorme en seulement 70 ans? Comment la Chine a-t-elle pu en seulement 70 ans accomplir le processus de mondialisation qui a pris des centaines d'années aux pays capitalistes occidentaux? En fait, la réponse n'est pas compliquée. Toutes ces réalisations et tous ces miracles ont été accomplis sous la direction du Parti communiste chinois. Dès le premier jour de l'exercice du pouvoir, le Parti communiste chinois a uni et conduit le peuple dans une lutte sans relâche. Grâce aux efforts des générations successives, les causes du parti et du peuple ont sans cesse progressé. Les communistes chinois, avec le camarade Mao Tse-tung comme principal représentant, ont créé la pensée de Mao Tse-tung et conduit le peuple pour accomplir le passage de la révolution de la démocratie nouvelle à la révolution socialiste en instaurant le système fondamental du socialisme en Chine, ce qui a constitué la prémisse politique et jeté la base institutionnelle pour tout développement et tout progrès réalisé par la Chine moderne. Les communistes chinois, avec le camarade Deng Xiaoping comme principal représentant, ont inauguré une ère nouvelle dans le développement de la cause socialiste, mis en lumière les questions fondamentales concernant la construction, la consolidation et le développement du socialisme en Chine, formulé la théorie de Deng Xiaoping et créé le socialisme à la chinoise. Les communistes chinois, avec le camarade Jiang Zemin comme principal représentant, ont formulé la pensée importante de la triple représentation au cours de la grande mise en œuvre de l'édification du socialisme à la chinoise, en menant le socialisme à la chinoise au XXIe siècle. Les communistes chinois, avec le camarade Hu Jintao comme principal représentant, ont formé le concept de développement scientifique dont l'essence même consiste à réaliser un développement intégral, coordonné et durable, plaçant l'homme au centre de toutes les préoccupations et ont réussi à maintenir et à placer le socialisme à la chinoise à un nouveau point de départ. Les communistes chinois, avec le camarade Xi Jinping comme principal représentant, ont donné une réponse systématique en combinant la théorie et la pratique à une question magistrale qui se pose à notre époque. Quel type de socialisme à la chinoise doit-on maintenir et développer dans la nouvelle ère? Et comment le maintenir et le développer? La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a ainsi été créée.
ce qui a écrit un nouveau chapitre de la sinisation du marxisme sur l'étendard de l'idéologie directrice du parti et a conduit le socialisme à la chinoise dans une nouvelle ère. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est le guide de l'action de tout le parti et de tout le peuple. Il faut le perpétuer en le développant. Le livre de la Constitution est un témoin de l'histoire. Le 17 mars 2018, le président Xi Jinping pose la main gauche sur la Constitution.忠于祖国，忠于人民，恪尽职守，廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。 努力奋斗，宣誓人，习近平。 Comme le sommet principal d'une chaîne montagneuse, le noyau dirigeant est essentiel pour un pays et un parti politique. Depuis le 18e congrès du PCC, le secrétaire général Xi Jinping fait preuve de clairvoyance sur le plan stratégique et de grande habileté au niveau de la direction politique, est attaché au point de vue du peuple et assume résolument ses responsabilités au cours de la direction du développement des causes du parti et de l'État dans une nouvelle ère, de l'évaluation de la tendance générale du développement de plus en plus complexe tant en Chine qu'à l'international, ainsi que de la grande pratique consistant à inciter tout le parti et le peuple multiethnique à aller de l'avant dans la nouvelle ère. Ce qui prouve pleinement qu'il est digne d'être le noyau dirigeant du comité central et du parti. Pour le maintien et le renforcement de la direction du parti sur tous les plans, le plus important, c'est de préserver fermement l'autorité et la direction centralisée et unifiée du comité central. Pour cela, l'essentiel est de préserver résolument la position centrale du secrétaire général Xi Jinping au sein du comité central et du parti. Passant en revue le parcours de lutte au cours des 70 ans depuis la fondation de la Chine nouvelle, nous constatons les recherches inlassables, les innombrables sacrifices et efforts, les objectifs et les buts cohérents, les responsabilités et le courage de les assumer, ainsi que la lutte et le rêve. La dernière partie d'un trajet est toujours la plus longue. Le grand renouveau de la nation chinoise ne se réalisera pas sans peine, ni simplement à coups de tambour et de gong. La cause du socialisme à la chinoise est une cause pionnière sans précédent. Elle ne s'accomplira pas sans encombre. Face à la situation internationale en changement perpétuel et à l'environnement complexe et sensible, tout le parti et tout le peuple doivent s'apprêter à répondre à divers risques et défis prévisibles et imprévisibles. Le maintien de la direction du parti est le pilier permettant de surmonter toutes les difficultés et tous les risques. Il est une garantie fondamentale pour faire progresser la grandiose cause. Ce n'est pas facile pour la Chine de trouver une bonne voie, encore moins facile de la suivre. La voie du socialisme à la chinoise est la voie juste. Nous devons la poursuivre inébranlablement. Aucune autre voie que celle-ci ne permettra de mener la Chine au progrès, d'améliorer le bien-être du peuple et de réaliser le renouveau de la nation. Le Parti communiste chinois est le guide qui nous conduit pour avancer sur cette voie. Grâce à la direction scientifique de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère,
à la ferme direction du comité central avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, ainsi qu'à l'union des volontés de tout le parti et de tout le peuple, nous pourrons remporter de plus grandes victoires. La roue de l'histoire tourne et avance sans arrêt, et le courant de notre époque est impétueux et irrésistible. Le Parti communiste chinois incarne la philosophie visant à servir le peuple de tout cœur dans l'ensemble de la lutte du parti. Il nous reste un long chemin à parcourir dans cette course de relais, mais nous sommes convaincus que l'avenir sera meilleur. Imaginons à quel point le paysage sera magnifique sur l'immense territoire chinois après 30 ans de lutte de plus, à l'occasion du centenaire de la fondation de la Chine nouvelle. Notre pays sera alors plus prospère et deviendra un grand pays socialiste moderne, démocratique, hautement civilisé, beau, sain et harmonieux. Il sera à l'avant-garde du monde en termes de puissance globale et d'influence internationale. Notre système sera plus mature. Nous réaliserons la modernisation du système et de la capacité de gouvernance du pays. Les avantages du système du socialisme à la chinoise seront plus évidents. À ce moment-là, notre peuple sera plus heureux. Il vivra dans l'aisance et en paix. La société débordera de vitalité et sera en ordre parfait. À ce moment-là, notre patrie apportera une contribution plus importante à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et à la promotion de la paix et du développement mondiaux. La nation chinoise tiendra son rang dans le concert des nations. Au cours des 70 dernières années, nous avons avancé avec détermination en surmontant toutes les difficultés. Tout au long de ce chemin, nous avons avancé dans l'exploration. Unissons-nous autour du comité central du parti avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant pour écrire un chapitre grandiose du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère en raffermissant les quatre consciences et la quadruple confiance et en préservant la position centrale du secrétaire général Xi Jinping au sein du comité central et du parti ainsi que l'autorité et la direction centralisée et unifiée du comité central du parti. Grâce au pilotage du Parti communiste chinois, le grand navire de la Chine, qui porte l'aspiration de quelque 1,4 milliard de Chinois à une vie meilleure et cristallise leurs énergies, avance fougueusement vers le grand renouveau de la nation chinoise contre vents et marées. Yeah.